Bienvenue dans ce voyage à travers la tapisserie complexe de l'existence, la grille Katara, également connue sous le nom de Katara 12 arbres, considérée comme l'authentique arbre de vie. La grille de Katara sert de fondement à la géométrie de la véritable création christique. C'est le plan qui sous-tend nos champs morphogénétiques, les modèles holographiques qui guident la manifestation de la matière elle-même. Chaque être, chaque structure de l'univers est construit sur la base de ce magnifique cadre. De nombreux diagrammes religieux de l'arbre de vie sont issus de la grille de Katara. Bien qu'ils puissent sembler similaires, chacun d'entre eux comporte des encodages mathématiques uniques, ce qui conduit à des interprétations et à des compréhensions distinctes d'une culture à l'autre. Au fond, la grille de Katara est le modèle énergétique codé essentiel à tous ceux qui existent. Elle abrite le plan divin de Christos dans ses modèles énergétiques, une conception complexe de modèles géométriques et mathématiques dictant la construction de toute la matière manifestée. Le nombre 12 est essentiel à ce plan divin. Il sert de fondement à la véritable création du Christos. Des univers et des galaxies aux planètes et aux humains, tout a été conçu à l'origine avec un codage de base 12. Cependant, la Terre fonctionne actuellement sur un codage déformé de base 10. Ce changement a entraîné des déséquilibres et un écart par rapport au plan original. Aujourd'hui, nous entamons une transition vers l'authentique plan divin de base 12. La grille Katara est composée de 12 centres Katara primaires, reliés par 15 lignes Katara primaires. Cette structure se reflète du macrocosme au microcosme dans toute la création. Malgré les variations de forme, cette structure fondamentale reste cohérente partout. Une grille de Katara ressemble à un cristal de quartz à double terminaison. Cette ressemblance est plus que visuelle. Elle signifie le flux et l'équilibre de l'énergie à travers sa structure. Il est essentiel de comprendre que nous sommes tous de l'énergie, une conscience éternelle en constante transformation. Lorsque l'énergie se projette à travers les structures de la grille Katara, elle conserve son identité fondamentale, changeant simplement de forme sans jamais être créée ou détruite. Tous les changements adhèrent au cadre géométrique de la grille de Katara. C'est la constante au milieu de la transformation, le plan qui assure l'harmonie et la continuité du cosmos. En nous reconnectant à la grille de Katara, nous nous alignons sur le plan divin originel. Embrasser cette connaissance ouvre la voie au rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie en nous-mêmes et dans l'univers.